Paul Elkara fait partie d'un nouveau et étonnant projet qui a été dévoilé par Emmanuel Macron. Mais que fait l'ancien champion des 12 coups de midi dans la dernière publication sur Instagram du président de la République? Pour certains, les 12 coups de midi peuvent être un incroyable tremplin. Outre les cagnottes faramineuses remportées au cours du jeu de TF1, les fameux maîtres de midi se voient ouvrir la porte vers de nombreux projets. C'est le cas de Paul Elkara, l'un des champions les plus marquants du programme. Fort de ses incroyables connaissances en histoire, le jeune homme avait bluffé Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs au point d'être repéré par Laurent Ruquier qu'il a intégré aux grosses têtes sur RTL. À seulement 24 ans, le jeune homme a également enchaîné les émissions de télé telles que le Club des Invincibles sur France 2, Les Traîtres sur M6, ou encore Bienvenue au Monastère sur C8. Un très beau parcours pour l'ancien étudiant qui avait également touché le grand public en évoquant ouvertement ses difficultés en raison du syndrome d'Asperger qui lui a été diagnostiqué à l'âge de 16 ans. Paul Elkara dans un sport pour sensibiliser sur l'autisme. Alors que Paul Elkara s'est également lancé dans l'écriture en sortant déjà 3 livres, son nouveau projet a surpris les internautes. Cette fois pas de jeux télé ou autres récits autobiographiques, l'ancien maître de midi a collaboré avec Emmanuel Macron. Ce mercredi 3 avril, le président de la République a partagé sur son compte Instagram un spot de sensibilisation à l'autisme. Il ne sait interpréter ni les émotions, ni les expressions imagées, pourtant Paul Elkara est l'un des meilleurs en culture générale. Les manifestations de l'autisme varient d'une personne à une autre. Mieux connaître l'autisme, c'est mieux vivre ensemble, alors parlons-en. Chacun a un rôle à jouer, une attention particulière à apporter à ce camarade, à ce collègue, à ce voisin, a déclaré le chef de LETAT, afin de dévoiler l'action du gouvernement pour aider les personnes atteintes de ce syndrome. Dans cette publicité, Paul Elkara est assis à la table d'un café en compagnie d'une autre personnalité bien connue du grand public, l'humoriste Paul Mirabel. Ce dernier pose des questions de culture générale au chouchou de Jean-Luc Reichmann, avant que celui-ci botte en touche quand il lui demande de deviner ce qu'il ressent. Une vidéo qui a surpris les internautes, étonnés de retrouver Paul Elkara. Paul, notre héros des 12 coups de midi, je n'avais pas compris que c'était Paul, purée, ou encore il n'a pas fait les 12 coups de midi? Peut-on lire en commentaire, alors qu'ils sont nombreux à avoir applaudi cette initiative du gouvernement. De quoi rendre fiers les fans de Paul.